Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre ici au Wembley Stadium. Un match que nous allons vous faire vivre avec Pierre Ménès. On va suivre aujourd'hui ce nouveau rendez-vous de Division Rivals et on a hâte que ça commence, Pierre. Oui, c'est un bon moyen de garder le rythme de la compétition et j'espère que le spectacle sera au rendez-vous. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Alan Saint-Maximin. Federico Valverde. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Ouais, c'est trop tard, tout le monde est revenu à son poste. Ouais, c'est une touche. Nelson Semedo. Il y a un duel très intéressant dans ce match avec l'anglais Harry Kane que l'on va retrouver face à Antoine Griezmann. Vous le voyez comment, Pierre, ce match dans le match entre les deux hommes? Je dirais qu'Harry Kane est un joueur capable de faire la différence, seul balle au pied. J'aime bien ce genre de joueur qui, sur un coup de génie, peut vous effacer d'un ou deux défenseurs. De son côté, Antoine Griezmann est un joueur qui s'avère très précieux dans l'entrejeu. Il possède un très très bon jeu de passe et il sait se rendre disponible, toujours. Oh, il était temps d'intervenir là. Allez, dans le couloir. Chercher une solution là. Attention, la frappe. Ballon capté par le gardien. Un vilain passe directement à l'adversaire. Ouais, la profondeur bien trouvée là par Harry Kane. Et l'action n'ira pas plus loin. Federico Valverde. Mariano. La passe est coupée et bien défendue. On cherche une solution. Allez, après tout, pourquoi pas. Et le tacle décisif dans sa propre surface. Kenny. Ah non, le ballon est perdu. On a décidé de faire du pressing, hein, regardez. Et le ballon qui retourne dans les pieds du gardien. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Pas bon ce contrôle et le ballon est perdu. Ah, Douglas Costa, c'est dangereux. Fabinho. Griezmann, là, qui vient au contact. Qu'est-ce qu'il va faire? Hector Herrera. Et ce ballon qui est perdu. Ter Stegen. Nelson Semedo. Mariano. Et c'est Varane qui renvoie sans se poser de questions. Parejo. Mariano. Ce ballon en profondeur. Ah, il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. Fabinho. Mariano. Oh, c'est bien donné en profondeur. Hector Herrera. Oh, le but peut-être. Le ballon qui a été contré. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Saint-Maximin.
Oui, en termes de possession pure, c'est vrai, les deux équipes font jeu égal en ce moment. Aucune ne parvient à prendre le dessus sur l'autre, ce qui explique en partie ce score nul et vierge pour l'instant. Ballon rendu à l'adversaire. Nelson Semedo. Federico Valverde. Parejo. Hector Herrera. Nelson Semedo. Mariano. Il faut trouver une option disponible. Il la joue un petit peu comme on rentre, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire, hein, qui récupère. Avança Maxima. Il attend des solutions. Oh, il fallait pas se louper sur ce geste. Bien défendu. Fabinho. Fabinho, mais sa passe n'arrivera pas. Allez, le centre maintenant. Attention au partenaire au deuxième poteau. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Allez, pleine surface, le corner de... Et le gardien qui éloigne le danger sur ce corner. Il s'infiltre, attention. Fabinho pour intercepter. Ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match, toujours pas de but, 0-0. Bon, 45 premières minutes qu'on n'aura pas de match. Allez, les deux équipes qui sont revenues sur la pelouse, c'est parti. Parejo. Il ne maîtrise pas le ballon, ils le perdent. Nelson Semedo. Hector Herrera. Fabinho. Un mot peut-être sur la première période de l'anglais Harry Kane. Je trouve qu'il a été transparent, pas de but, peu d'occasion. On attend quand même autre chose en longue période, peut-être falloir qu'il se fasse un peu de violence. Ouais, il fallait qu'il y aille, Harry Kane, il a raison. Paul Pogba. Théo Hernandez. Pogba. Alan Saint-Maxima. Antoine Griezmann. Cherche une ouverture, bien sûr. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Le défenseur qui repousse finalement le danger. Ils ont eu chaud, hein. Clément Langlais. On cherche des solutions, là. Ouais, lumineux, cette passe. Oh, on a failli assister à l'ouverture du score. Ah, le but lui tordait les bras, mais bon, il faudrait être un petit peu plus adroit, quand même. Oui, alors ça, c'est des stats qu'on n'aime pas. Peut-être que les gars vont se réveiller, mais là... Vous la sentez venir, la grosse vieille purge. Très bonne anticipation sur ce ballon. Griezmann. Le très bon geste défensif. Ah,
Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Ouais, c'est pas cadré. Cette tête ne donnera rien. On peut pas dire que ce soit de la maladresse. Hein. Non, c'est surtout bien défendu. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Un petit peu d'espace devant lui. Allez, attention, il peut centrer. De Jong, c'est contré. Hector Herrera. Oh, la bonne frappe qui passe juste à côté. Kenny, Fabinho, Danilo. Pogba. Saint-Maximin. Allez, à deux. Il y a du soutien derrière lui. Aboudassane très aigué. Harry Kane qui peut marquer certainement. Et l'arbitre qui accorde un coup franc bien placé. Ah, attention, il n'y aura plus de remplacement après. C'est Paul Pogba qui va se charger de ce coup franc. Attention donc. Il n'a pas trompé la vigilance du gardien sur ce coup franc. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Le public qui aimerait bien voir son équipe gagner ce match et qui demande un effort à ses joueurs. Raphaël Varane. Ouais, on passe par les côtés. On est en train de remonter le terrain. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre. Nelson Semedo. Il cherche une solution. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Oh, le but, l'ouverture du score, amplement mérité. Ouais, elle est méritée pour cette équipe, mais on a cru qu'elle ne viendrait jamais. Maintenant, il faut tenir. Raphaël Varane. Paul Pogba. Il transmet ce ballon. Ah, c'est un ballon perdu bêtement, ça. Encore un bon ballon. Heung-Minson. Ah, la passe en profondeur, attention. Oh, le voilà. Bon, ils sont complètement démobilisés, là. Juste après avoir marqué, c'est un manque de concentration stupide. Eh, ça s'emballe un petit peu ce match, quand même, Pierre. Oui, on dit, Hervé, qu'il faut être vigilant après avoir marqué. La preuve, maintenant, on va voir ce qui va se passer. Et voilà donc à égalité un but partout. Kenny, un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Attention, il a du champ devant lui. Il s'enfonce. Et il marque. Oh, le but. Et l'équipe qui passe devant au tableau d'affichage. À peine remis du premier but, voici déjà le deuxième. Il y a le joueur qui quitte le terrain, tête baissée. Oui. C'est un jour sans pour lui, hein. Il nous a habitués à mieux. Il mène à la marque désormais 2 buts à 1. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe.
Oh, qu'il est important ce ballon, oh, qu'il est important. Ouais, le public qui pousse là dans ces dernières minutes. Il peut y avoir le feu. Hein. Les 30 derniers mètres. Allez, on peut égaliser là. Bien repoussé par la défense. Ouais, ça passe tout près, hein, j'ai l'impression. Bah, tout était parfait à part le dernier geste. Embêtant. Et l'arbitre qui siffle, un enjeu lui a été signalé. Nelson Semedo. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Il essaye de trouver la faille. L'interception parfaite au moment précis où il fallait la faire. On jouera 3 minutes en plus, 3 minutes de temps additionnel. Ça va être le but. Allez, un jeu qui est signalé, ouh, ça doit être vraiment limite. Hein. Arbitre qui a bien jugé sur cette action. Hors jeu de peu, mais hors jeu. Fabinho. Douglas Costa. Le ballon qui va repasser par les pieds du gardien. Oh, le gardien s'est complètement raté. Et le gardien qui écarte le danger. Remise en touche dans le camp adverse. Mariano. Ouais, il rassure toute son équipe avec ce tacle. Voilà, on n'ira pas plus loin. C'est fini, l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire. On a vu une équipe qui a beaucoup tenté, mais qui n'a pas été récompensée. Bon, je crois que Pierre, l'homme du match, on l'a sous les yeux. Hein. Très bon match pour lui, avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, il peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif. Et quant à ce joueur, on l'a vu un petit peu trop hésitant dans ce match. Il s'est créé bien peu d'occasions. Et dans ces conditions, c'est quand même difficile de marquer. Heung-min Son. Ah, la passe en profondeur, attention. Oh, le voilà. Bon, là, ils sont complètement démobilisés, là, juste après avoir marqué. C'est un manque de concentration stupide. Attention, il a du champ devant lui. Il s'enfonce. Et il marque. Oh, le but. Et l'équipe qui passe devant. Au tableau d'affichage.